Eh bien, salut, salut, c'est Titou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bienvenue pour la première ouverture Pokémon oubliée. Parce que, eh oui, il y a des ouvertures que j'ai filmées, comme tout YouTuber, mais que je n'ai jamais mises en ligne sur YouTube. Ou alors, tout simplement, que j'ai fait, par exemple, en live Twitch, parce que pour ceux qui étaient là bien avant, c'est-à-dire il y a 2 ans à peu près, ou même un peu moins parce que j'en faisais occasionnellement. Il y a des fois où je faisais des ouvertures Pokémon sur Twitch. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ben, je les repostais sur YouTube. Sauf qu'il y en a deux, celle que je vous propose aujourd'hui, ou plutôt l'une des deux, que j'ai postée sur ma chaîne de rediffusion de live Twitch, mais que je n'ai jamais mis sur cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose du coup de redécouvrir ces fameuses vidéos. Et j'ai décidé de les mettre en ligne tout simplement. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a deux vidéos que je n'ai jamais mises en ligne sur cette chaîne. Il y a la Display Force Temporelle, du coup, que je vous propose aujourd'hui, mais aussi la méga ouverture de Booster Zénith Suprême que j'avais fait il y a 1 an. Genre, je crois qu'on avait ouvert un total de 70 boosters quand même de Zénith Suprême, donc c'était vraiment énorme et c'était le kiff, etc. Donc du coup, celle-là, par contre, elle nécessite un peu de montage parce qu'elle est assez longue, donc du coup, elle sortira pas pour tout de suite. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de vous ressortir finalement ces petites vidéos. Donc alors, la Display Force Temporelle que vous allez voir là, donc déjà, pour tous ceux que ça manquait des displays, ben voilà. Petite ouverture de display Pokémon de 36 boosters. Que ça, vous allez pouvoir kiffer, etc. Bon, spoiler, ça sera peut-être pas la dernière. Et du coup, cette display, je l'ai ouverte en avril dernier. Oui, c'est ça, en avril dernier. Donc, du coup, ça fait un petit moment en live Twitch, du coup, et j'ai jamais posté la rediffusion sur YouTube. Donc, du coup, c'est ce que je vous propose. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec l'ouverture. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, c'était tout, parce que je fais déjà l'outro, parce que je suis pas sûr que sur Twitch, je l'avais faite. Donc, du coup, j'espère qu'elle vous plaira. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous plaît, et de me dire en commentaire si ça vous plaît, les retours des ouvertures en display, etc. Même s'il y en a qu'une pour l'instant. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Bon, bref. Bon visionnage! Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle ouverture de cartes Pokémon assez spéciale, puisque aujourd'hui nous allons ouvrir en exclusivité une display complète de la dernière extension sortie actuellement quand je tourne cette vidéo, qui est Écarlate et Violet Force Temporelle. Enfin, Écarlate et Violet, c'est le bloc et Force Temporelle, c'est le nom de l'extension. Donc alors, pourquoi je reviens avec une display comme ça? Ben, c'est très très simple, alors je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce que je suis allé dans une convention le week-end dernier. Donc quand je tourne cette vidéo, on est le 10 avril, donc c'est-à-dire que je suis allé le 6 avril, je suis allé à une convention. Et justement, j'ai trouvé ce petit truc-là pour la modique somme de 180 euros. Et en fait, j'ai discuté avec des... J'étais avec une amie, et elle avait des amis qui, justement, s'y connaissaient en Pokémon. Ils me disaient qu'apparemment, à partir de cette extension-là, Force Temporelle, en fait, ça avait changé, entre guillemets, les garanties des displays. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand je vous ai proposé les displays sur mes chaînes YouTube, etc., enfin sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai qu'une seule, mais la plupart du temps, en fait, les displays, on était garantis d'avoir, par exemple, une full art et une alternative, enfin une secrète, pardon, parce que avant c'était plutôt considéré comme une secrète. Sauf que maintenant, ça a changé, apparemment, ils ont enlevé, entre guillemets, cette garantie-là. Mais en gros, on peut par exemple avoir une alternative, voire deux. Donc c'est-à-dire que là, on peut avoir potentiellement plus de trucs que prévu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire le test? Voilà. Donc du coup, sur ce, on est parti. On a 36 boosters à ouvrir, pour ceux qui ne se rappellent plus combien il y a de boosters dedans. Et profitez-en parce que les displays, j'en ouvre plus souvent. Voilà. Enfin, j'en ouvre plus du tout en fait. Voilà, parce que surtout le problème, c'est que le problème avec les displays, en fait, c'est que déjà, c'est pas donné, hein, 180 euros le prix. Bon, après, c'est genre le prix un peu des boutiques indées, parce que normalement, c'est genre 5,99 fois 36, ce qui revient à 215 euros par exemple. Genre là, à 180 euros, tu vois, t'économises quand même énormément d'argent, donc en vrai, ça va. Et je me suis dit, pourquoi pas retester, tu vois. Je me suis dit, retenter un peu ma chance avec une petite display. Voilà. Elle était bien la conve. Ouais, super. Ouais, elle était super. Donc du coup, je vais pouvoir parler un peu avec Twitch. Et du coup, c'est parti, hein. C'est parti. On va déceler du coup cette display. Hop. Hop. C'est parti. Et du coup, on a 36 boosters à ouvrir. Là, ça fait longtemps les displays. Ça fait longtemps. Et du coup, on ouvre ça comme ceci. Hop. On voit ça comme ceci, et normalement, quand vous allez par exemple au bureau de tabac, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais essayer de monter. Voilà, ça se présente comme ceci. Quand vous allez au bureau de tabac ou quoi, des fois vous pouvez
prendre des displays, mais bon, moi je préfère les displays complets. Donc du coup, oh, ça fait longtemps. En plus, cette extension-là, Force Temporelle, est très très bonne. Voilà, elle est très très bonne, je vous le dis. Enfin, apparemment, elle est, ouais, elle est très très bonne comme série. Donc du coup, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Est-ce que j'enlève... Non, j'enlève pas tous les boosters. Donc du coup, c'est parti. On a 36 boosters Pokémon à ouvrir. Donc voilà, ça va être long, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour cette petite ouverture. Enfin, petite grosse ouverture. Donc du coup, comme d'habitude, je vous donne les petits codes pour le Pokémon Online. Maintenant, on peut enlever la première carte là. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu... Alors oui, pour ceux de Twitch qui n'ont pas vu le bloc écarlate et violet, maintenant, en fait, ça a changé. C'est que maintenant, on n'est plus obligé de faire 1, 2, 3, 4. Enfin, on n'est plus obligé de bouger, par exemple, 1, 2, 3, 4 cartes, comme on faisait habituellement avec épée et bouclier. Mais en fait, maintenant, on a la carte derrière, maintenant, c'est forcément l'énergie. Et en fait, tu bouges plus de cartes. Et maintenant, les bords sont gris, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, pour ceux qui n'ont plus vu depuis longtemps des ouvertures Pokémon, je vous le dis. Donc, du coup, c'est parti. Allez, on commence avec un petit Balignon, Flamiaou, Rocabo, Chinchidou, Scolossandre, Déflaisant. Oula, je vais pas passer très vite. Jungle Périlleuse. Donc, alors, ici, on commence par la première reverse. En fait, dans cette extension, Force Temporelle, en gros, on peut avoir... Je sais plus comment elle s'appelle, mais des espèces de cartes dresseurs maintenant violettes. Je sais plus comment elle s'appelle, mais on peut avoir... C'est considéré comme des ultras un peu. Là, on peut avoir derrière des fois les... soit une deuxième reverse, soit une alternative ou une full art, un truc comme ça. Et derrière, normalement, c'est la rare. Là, on peut avoir les cartes X, parce que maintenant, c'est plus les V. Et quand on n'a rien, c'est des holos comme ça. Donc là, on commence malheureusement avec un Alligator. Mais c'est pas grave, de toute façon, il nous reste encore plein de boosters à ouvrir. Et du coup, voilà. Voilà, voilà, hop, hop, je vous montre le petit code, hop, on enlève l'énergie, de toute façon, je vais faire comme ça à chaque fois, je vais faire comme ça. Nous avons un petit bout des Frissoni, un Solourdo, Gringolem, Eidem, décodage de Décryptoman, oula, il est compliqué ce nom, hein, Burritos. Ensuite, nous avons ici un petit Vagomine Reverse, derrière, on n'a rien, on a un Noirfang, ainsi que... On commence très très bien. On commence très très bien les displays avec une full art. Une full art de Scizaiox X. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc ça, vous voyez, c'est une full art. Voilà. On commence très très bien. Voilà. On commence vraiment très 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 bien. La petite display, regardez-moi ça. Scizaiox X, magnifique. En vrai, la qualité est bonne, je trouve. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé. J'ai oublié de le préciser pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, mais je n'ai pas pu filmer avec mon téléphone comme je le fais habituellement, simplement parce que sur Twitch, en fait, filmer avec un téléphone, c'est la qualité est pas ouf. Donc du coup, j'ai préféré ne pas prendre de risque et de reprendre ma vieille caméra. Voilà, voilà. Donc du coup, première ultra qui commence très très bien parce qu'on a un petit Scizaiox X Full Art. Alors juste, je vais faire un truc, c'est que je vais, voilà, enlever, ouais, j'utilise ça hein, pour les trucs de caméra, etc. Mais en fait, je vais juste baisser d'un cran la caméra, je pense. Enfin, je vais baisser d'un cran pour qu'on voit un peu mieux, vous voyez. Pour que ce soit un peu plus. Enfin, centré, entre guillemets, mais non. Mais du coup, voilà, voilà. Comme ça, il y a un peu plus de trucs là. Hop, hop, l'énergie, on peut l'enlever. Donc du coup, voilà. Voilà, voilà. Nous avons un Marill, Gripat, Levsor, Fantominus, Fulgudog, Galopa. Nous avons un Neitram. Ensuite, ah voilà, ça c'est les fameuses cartes. Alors, je sais plus comment elles s'appellent. Mais ça, c'est les nouvelles cartes qui sont venues avec cette extension. Ça, c'est considéré comme une ultra, justement. Parce que bon, quand on regarde, je crois que ce genre de cartes peut valoir 10 balles. Vraiment. Vraiment, vraiment. Après, on peut avoir des double hits. Bon, là, on n'a rien. Et là non plus, on n'a rien. Mais du coup, ça, c'est aussi considéré comme une ultra. Donc ça, c'est des nouvelles cartes d'ailleurs qui sont ces espèces de cartes violettes, vous voyez, qu'elles sont un peu holographiques, etc., etc. C'est des nouvelles cartes qui viennent depuis cette extension-là, Force Temporelle. Donc du coup, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu... On peut dire que c'est un peu comme les dresseurs Full Art, mais c'est des dresseurs Half Art, je sais pas, je sais plus. C'est un nom, mais je me rappelle plus ce genre de cartes. Du coup, ça commence très bien, hein. Il y a déjà deux ultras. Enfin, je l'ai compté comme une ultra, en vrai, celle-là. Après, peut-être que je me trompe, mais je vais compter ceci comme une ultra. Hop, alors du coup, voilà, voilà, prochain booster. Oh, on a un petit Pikachu. Nous avons un Spectrum, Meios, Graniena, Pelage Sablé, Énergie Brume, Bâton de Masse. Ici, on n'a rien avec un petit Texelang. Pas d'alternative, encore une fois.
Meditica. Et oh, nous avons une petite ex classique qui est Fel Inferno. Magnifique carte d'ailleurs. Regardez-moi ces griffes là. On dirait qu'il veut nous griffer. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. En vrai, je vais vous dire, si on chope une alt, elles sont magnifiques les alternatives. Bon après, le problème c'est que justement, les potes à ma pote avec qui j'étais en convention m'ont dit qu'en fait, il y a apparemment dans Force Temporelle, il y a deux Full Art Terra Crystal. Donc en gros, c'est des nouveaux types de Pokémon qui viennent avec le jeu Écarlate et Violet. Mais en fait, il y a deux types de Pokémon, deux cartes, juste deux cartes. Mais en fait, si je les pack, elles sont considérées comme alternatives. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment le truc pas de chance. Si je pack une Full Art Terra Crystal. Donc il y en a deux. Donc vraiment, les chances sont très minces de les obtenir, tu vois. Mais apparemment, les Full Art Terra Crystal, si j'en ai une, bah, en fait, ça remplace l'alternative. Et du coup, je peux ne rien avoir. Et du coup, ça peut être nul comme display. Donc on verra bien. Hein. J'espère ne pas tomber sur la Terra Crystal en Full Art. Et de tomber sur une petite alternative. Voilà. Donc nous avons un petit abo. Au pire, si jamais je la vois, parce que de toute façon, on va la voir, hein, comme ça. On va la voir l'alternative quand elle va tomber. Je pense, on peut faire un truc si vous voulez. Genre, ça va être mon chat Twitch qui va décider. Mais si vous voulez, c'est que je dévoile l'alternative à la fin. À la fin. Dès qu'on a ouvert la display, genre, on regarde. Genre, l'alternative, je la mets de côté. Et genre, on la regarde à la fin. À la toute fin, si vous voulez. Genre c'est genre ça va être mon stream qui décide. Parce que c'est genre c'est un mec là que j'ai vu sur Instagram et tout, il fait ça en fait. Hein. C'est que genre quand il ouvre les displays, en fait, il prend ben, justement la soi-disant secrète, il la pack genre de dos et en fait, il attend la fin du stream pour la dévoiler simplement. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Nous avons un Balignon et ici, on n'a rien du tout avec un petit épine de fer du temps futur. N'hésitez pas à me dire hein, sur Twitch hein, si vous voulez qu'on fasse ça ou pas. En vrai, moi je serais partant de faire ça. Enfin, s'il n'y en a qu'une hein, d'alternative. Parce que ça se trouve, il peut y en avoir une deuxième. Comme je l'ai dit, vu qu'ils ont enlevé cette soi-disant garantie, il peut y en avoir une deuxième. Bon, malheureusement, le retour de la caméra qui sait pas faire le focus. Nous avons Larvidule, Matoufeu, Voltoutou. Nous avons. Attendez, je prends un peu la respiration. Capsule d'énergie booster, temps passé. Ouais, super long le nom. Nous avons un petit Latias. Nous avons guide d'exploration. Ici, on n'a rien avec un solo d'eau. Là non plus, on a un petit Rocabo. Et ici, on a un petit Virevoreur. Pour l'instant, on n'a rien. Hein. Pour l'instant, on n'a rien. Mais bon, après, je vous dis. Hein. Je sais pas combien d'ultra on peut vraiment avoir. Je pense qu'on va en avoir une dizaine, ça c'est sûr. Mais bon, en vrai, si je pourrais d'ailleurs donner un objectif, je pense en vrai 12, ça pourrait être correct. Genre sur 36 boosters, ouais, 12, ça ferait un tiers des boosters qui sont bons. Donc en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions hein, ou parler dans le chat Twitch si jamais vous voulez. Vous avez un Aflamanoir. Noir. C'est pas parce que j'ai lancé l'enregistrement YouTube que. Vous n'avez plus le droit de parler. Je ferai des coupures au pire si je parle avec mon chat Twitch. C'est pas grave. Nous avons un Tangalis. Jungle Périlleuse. Nous avons un petit Oot-Oot. Et derrière, on a une ex. Je l'ai dit comme ça. Je ne savais absolument pas. Je savais même pas si on allait avoir vraiment une ex. Je l'ai vraiment dit comme ça au pif. Mais du coup, on a un petit Triopico. Triopico que je vois très souvent. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte très Terra Crystal. Mais c'est pas une Full Art. C'est pas une Full Art. Ben en fait, les alternatives sont magnifiques. Donc, en fait, moi je veux surtout pas, tu vois, ce genre de carte, la Terra Crystal en Full Art, parce que ça chope apparemment une alternative. Donc, ça veut dire que je pourrais ne pas avoir d'alternative à cause d'une carte comme ça. Parce que les Full Art Terra Crystal sont un peu nuls. Donc, mais en fait, je crois qu'il y en a une dizaine d'alternatives. Donc, je veux au moins une alternative. Au moins une alternative. Ce serait cool. C'est mon objectif de la display. Voilà. Ce qui en vrai peut être possible. Nous avons un Oot-Oot, Boumata, Meditica, Mizdibule, Conviction de Mortimer, Forivoire, nous avons Tenefix. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a des petites cartes là, temps passé, temps futur. On est littéralement dans le multiverse au Pokémon. Hein, pour ceux qui se le demandent. Ici, nous avons un Keldeo en première reverse. Ensuite, toujours rien avec un guide d'exploration.
D'ailleurs, ouais, elle brille un peu plus, je trouve, celle-là. Et derrière, on n'a rien du tout avec un petit Melmetal. Attendez, on fait une petite pause, hein. Je fais une petite pause, attendez. Je fais une petite pause parce que là, je suis en train de... Je sais pas pourquoi j'ai mal au poignet d'un coup. C'est parce que, à mon avis, je suis peut-être mal installé. En fait, si, je suis bien installé, en vrai, hein. Parce que bon, pour une fois, je suis sur ma chaise. Alors que d'habitude, je ne peux pas être sur ma chaise. Donc, du coup, ouais, ça va encore. Encore, je remets un peu le paquet de cartes. Hop, allez, on continue. On continue, on continue. Donc après, j'ai envie de dire les déchets des boosters. J'ai une table à côté, je pourrais les foutre à côté. Je vais le faire après. Attendez. Je vais le faire après. Hop. Hop, l'énergie, de toute façon, on s'en fout. Pomme de pique, nous avons un Poichigeon. Vivaldime, Kaiminus, nous avons Pachmia, oula, oula, et les câbles, ah oui, ah, ça vous rappelle des souvenirs hein, pour ceux qui regardaient les anciens YouTube, hein, la caméra qui fait mal son focus, ça vous rappelle des souvenirs, hein. Mizdibule encore une fois, Virovin, et derrière, oh, nous avons une petite Ex, nous avons un petit Cisaiox Ex qui est magnifique. Enfin, en vrai, elles sont cool les cartes, je trouve. Bon, par contre, j'ai l'impression que. Je sais pas si vous voyez, mais le haut est un peu plus épais. J'ai l'impression que le bas. Attendez. En fait, voilà les conditions de la carte. Ah non! Elles sont perfecto. Ah non. Non, non, en fait, elle est parfaite comme carte. Parce que des fois, bon. Ça fait un moment déjà, mais des fois, les cartes sont mal centrées, etc. etc. Donc, du coup, c'est un peu chiant. Alors, attendez, je vais juste. Je fais de l'ASMR. Hein. Mais je vais juste mettre, voilà, les déchets des boosters sur la table à côté. Du coup, parce que de toute façon, après, je vais les jeter après. C'est pas très grave. Je peux les mettre à côté. Hop. Je peux les mettre à côté. Mais ouais, cette série est très très bonne, apparemment. Enfin bon, on va le voir avec cette display, de toute façon. De toute façon, là, je crois que c'est notre 10e booster. Attends, je compte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, 11e. Bon, on a déjà ouvert 10 boosters, vous voyez. 10 boosters à peine. Hein. Ça va, hein. Ça va, ça va. Il y en a 36, je rappelle. Je rappelle, je rappelle. Hop, l'énergie, on s'en fout. Nous avons un Granipiote, Arbok, Topico. Nous avons un Medienna, Tête de Fer, Keldeo. Nous avons Grozrad. Rien ici avec un Dryheul. Nous avons un Tortipousse ainsi qu'un petit Garde-Fer Holo. Ok. Mais bon, les Holos sont pas terribles. Pas terrible, pas terrible. Hop. Hop, c'est bien. Parce qu'on dirait que je suis vraiment genre au bureau de tabac, mais que je peux en prendre à volonté des boosters. Ça me rappelle à l'époque, en 2022, avant que je me rende compte que les displays soient nuls complets. Parce qu'avant, justement, en 2022, c'était l'année des displays, littéralement. Sauf qu'en fait. Après, ça se trouve, là, ces displays-là sont bien et dans le futur, j'en rachèterai, mais je pense pas en vrai. Parce que le problème, c'est que, comme j'ai dit, les displays, là, vu que c'était occasionnellement, je les trouvais à 180, mais bon, dans la boutique indé, s'ils les vendent toujours, c'est 190 euros. Donc bon, c'est un peu cher, quoi. 180, je veux bien de temps en temps, mais 190, même si c'est 10 euros d'écart, c'est un peu problématique. Donc on verra, mais je pense pas que je rachèterai d'autres displays. Enfin. Après, on n'en sait rien. Mais de toute façon, la prochaine extension Pokémon qui sort, c'est le 24 mai. Et la prochaine convention, vu que c'est là où j'ai trouvé le display Force Temporelle, la prochaine convention, c'est le 4, c'est les 4 et 5 mai. Donc, du coup, peut-être que je trouverai autre chose en Pokémon que je ramènerai. On n'en sait rien. Mais ça ne sera pas la prochaine extension. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hop. Hop, nous avons un Pijako, Ponyta, ça me fait penser à Pyjama, Pijako. Enfin, c'est un peu ressemblant, ouais. Les Boulets Roux, Rototop, Zeraora, nous avons un Hurlequeue, Minotaur. Ensuite, ici, on a un Larvidule. Ah non, ok, donc c'est pas l'alternative, mais en gros, c'est une AR, ça s'appelle. Donc je crois que ça s'appelle, ou IR, comme on l'appelle en français, c'est une illustration rare, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, en anglais, ça s'appelle AR pour Alter. Ouais, je sais plus. Hein. Ouais, AR, mais nous, du coup, c'est une illustration rare. Donc, du coup, pour ceux qui se souviennent, c'est les fameuses Trainers Gallery qui avaient, quand j'avais ouvert les anciens displays, etc.
Rappelez les petites cartes comme ça, c'est les fameuses Trainer's Gallery, par exemple. Pour ceux qui se rappellent du bloc épée bouclier, ben là nous avons un petit bon bibou, pardon, je vais y arriver, en illustration rare, hein, donc du coup, ça fait plaisir, donc du coup, hop, une petite outre en plus. Une petite outre en plus, vous inquiétez pas, quand on sera à la moitié, on fera une petite pause, du coup, et on pourra discuter si vous avez des questions ou pas. Après, je sais plus qui m'avait demandé de, ben, genre si j'ai toujours les cartables et tout, si vous voulez, je vous les montre après. Si vous voulez, je vous les montre, les cartables, pour Twitch, si ça vous intéresse. Parce que de toute façon, je pense pas qu'on fera du gaming après. Je pense qu'on fait juste à ça et après j'arrête, hein. Ce sera un petit stream comme ça. Le gaming, ça sera mercredi prochain. Ici, rien non plus. Et puis derrière. Oh, nous avons. Oh non, c'est pas une Terre Cristal. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Il ne faut surtout pas tomber sur une full art Terre Cristal. Je sais pas, ça se trouve, ça se trouve, je me trompe complètement. Mais je crois que c'est foutu. Super. Bon, bah, ça veut dire que la display ne sera pas rentable. Du coup. Parce que vraiment, l'alternative, c'est des cartes ultimes, quoi. Donc, bon, on verra, hein. Ça se trouve, il y a un bug dans les displays et il y a vraiment une alternative en plus. Mais, oula, j'ai fait tomber les cartes. Mais là, je crois qu'on s'est fait destroy, là. Hein. Nous avons le canon. Hop, Shaymin. De toute façon, on verra bien. Hein, on verra bien. Sinon, normalement, il y a forcément une carte qui va arriver là. Genre, au moins une Dresseur Full Art ou une Gold, etc. Donc, ouais, on verra bien. Miraidon, ok. Miraidon. Après, ça se trouve, on se trompe, hein, tu vois. Genre, ça se trouve, on peut vraiment avoir et une full art comme ça et une alternative. Mais je crois pas. Je crois pas, donc du coup. Je te dis, il y avait vraiment deux cartes de merde. Je suis tombé sur celle qu'il fallait pas, quoi. Vraiment. Ça se trouve. Après, je dis, full boucher. De toute façon, là, je vais regarder quand on fera la pause là. Nous avons un Chrysapile, Exelang, Balignon, Flamiaou. Ceux qui regardent la vidéo YouTube, ils vont être en mode ouais, tu t'es fait détruire ou non, tu t'es pas fait détruire. Ils le diront en commentaire, sauf que du coup, bah, je le saurai déjà. Petit Minotaur. Nous avons un Pijako ici et on a un petit Drayeul. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'espère vraiment que c'est pas les Full Art Terra Crystal. Hein. Oh, ce booster, il s'est ouvert comme du beurre. Alors pour ceux qui se souviennent d'avant, les boosters qui s'ouvrent comme du beurre, il n'y a que dalle. Voilà, je vous le dis en général. Mais ouais, je vais voir, mais bon. Nous avons un Shinchidou, Pifei, Meltan, Beraska, nous avons Tondeuse de main, Pelage sablé, nous avons un petit Rugilune. Oh, c'est une holo, enfin une reverse rare, parce qu'il y a une petite étoile là. Ici, on n'a rien avec une Shinchidou. Et on a une petite ex ici avec un petit Irfoudre. Un petit Irfoudre, magnifique carte. Hop. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est. C'est moi ou elle est mal centrée en haut? Ah non, elle est bien centrée. Ouais, en fait, non, ça va. Ça va, ça va. Et du coup, nous entamons désormais notre 18e booster. Et oui, et oui. Et oui, 18e booster. Déjà. Donc, on est déjà à la moitié de la display. Hop. Nous avons le petit code juste là. Ensuite, nous avons un Levsor, Gringolem, Marill, Gripat, planche de sauvetage, pomme de fer, capsule énergie. Bon, je flemme de lire le nom complet. Fulgudog, petit Spectrum. Et derrière, on a que dalle avec un petit Volcaropode. C'est reparti. Du coup, on a fini notre petite pause sur Twitch. On a juste vérifié un petit truc, donc du coup, voilà. Donc peut-être qu'on peut toujours avoir une alternative, parce qu'en fait, c'est peut-être, en fait, c'est compté comme une simple illustration rare. Donc peut-être que et les alternatives sont comptées comme des spéciales illustrations rares. Donc peut-être qu'on peut avoir une alternative. Bon, on verra ça. Allez, c'est parti. Insécateur, Pikachu, Frissonille, Insolourdeau, Rubombelle. Nous avons un Commandant Balai, Roue de Fer. Ici, on a pas de petites cartes high-tech, parce que oui, je suis allé voir les cartes violettes qui arrivent là, c'est des cartes high-tech, elles s'appellent comme ça. Ici, on a un Rototom, donc pas d'alternative ni de gold. On a une deuxième full art, mais attendez, est-ce que c'est pas vert de fer? Mais attendez, c'est vert de fer, je l'ai déjà. Ah non, c'est chef de fer ex full art. Mais attends, là, on a trop de full art là. Bon, alors je commence à
perdre de plus en plus espoir concernant l'histoire de l'alternative. Parce que là, on a déjà Pâques, trois Full Art du coup. Enfin, dont une Full Art Terra Crystal. Donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais je commence à plus trop y croire, hein, moi, pour l'alternative. Hein. Bon, après, ça se trouve, on a une mauvaise surprise. Mais attends, c'est la première fois, hein, qu'on a autant de Full Art comme ça. Tiens, regardez-moi ça. Deuxième Full Art, littéralement. Chef de fer, ex, bah du coup, bienvenue à toi dans l'équipe. Je croyais que c'était Vert de fer, parce que je l'avais déjà, Vert de fer. Mais non, mais non, mais non. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais bon, malheureusement pour l'histoire de l'alternative. De toute façon, on va le savoir, hein. On va le savoir dans quelques minutes. Enfin ouais, quelques minutes si on a une alternative ou quoi. Je pense qu'on va sûrement avoir une gold. Fantominus. Parce que de toute façon, si on n'a pas de gold, c'est que vraiment la display a été pourrie en fait. Donc on va voir. Hein. Parce que du coup, les full art comme ça, c'est rien quoi. Nous avons un Marill. Ici, on a un petit Lefsor. Et ici, on a encore une fois un Alligator qui sert un peu à rien. Ok. Allez, prochain booster. Hop. Hop. Voilà le petit code pour vous. Je suis pas sûr que sur Twitch, ils arrivent à le récupérer à temps, mais c'est pas grave. Donc nous avons un petit Victini, Raichu, Monsieur Mime, Colombo, nous avons un Déflaisant, Jungle Périlleuse, nous avons un Montracite, Thiboudet, ensuite on a un petit Raichu. Oh, il dort! Regardez-moi ça. Il dort ou il est assommé? Non, je pense qu'il dort. Et ici, on a un petit Floatmèche. Bon, les holos, par contre, elles sont toujours aussi nulles. Genre, vraiment, les holos sont toujours aussi nuls. Que du coup, on est forcément d'avoir une holo. Enfin, on est forcément obligé d'avoir une holo maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu les changements du bloc écarlate et violet. Parce que bon, c'est vrai que sur Twitch, la dernière ouverture Pokémon que j'ai fait en live, c'était il y a un an. C'était celle de Zenith Suprême. Donc voilà. Qui a été un flop d'ailleurs, mais ça, on va pas le dire. Nous avons un petit Dazumarill, guide d'exploration, Bourinos, Filgudog. Ensuite, attendez, je vais laisser la caméra faire son focus. Petit Chapignon. Matoufeu, ainsi que un petit Rugilune. On n'a toujours rien eu hein, à la place de la deuxième reverse. Donc on n'a pas vraiment eu de bonnes cartes. Parce que justement, c'est à la place de la deuxième reverse qu'on peut avoir tout ce qui est alternative et toutes ces bêtises. Donc du coup, ça se trouve, on peut toujours pas que quelque chose d'intéressant. On va le savoir de toute façon. On va le savoir bientôt. On va le savoir. Alors, nous avons un petit Charbi. À flamme, maintenant on va forcément en avoir une, je pense. Hein. Enfin, d'alternative ou de gold. Enfin, de carte à la place du deuxième truc, de toute façon. Terral, out. Nous avons un Galopa, capsule énergie booster du temps passé. Naitran. Attendez. Est-ce que c'est pas maintenant? Ah non. Du canon, parce que là, ça brille. Hein. Ah, ben voilà pourquoi ça brille. Parce qu'on a un petit feu perçant. Ex. Voilà pourquoi ça brille. Parce qu'on a une petite carte. Je croyais que justement c'était maintenant qu'on avait une secrète entre guillemets. Mais non. Parce qu'en fait ce qui vient à la deuxième reverse, on va dire que c'est la secrète. D'ailleurs, ça peut être ça ou ça peut pas être ça. Mais bon, je vais dire ça. Voilà. Comme ça. Parce qu'on n'en a pas eu encore des cartes. Parce que là, on a eu soit les espèces de cartes high-tech en tout premier à la place de la première reverse. Soit des full art en mode ultra. Donc on s'en fout un peu de ça. Enfin non, c'est toujours cool d'en avoir des full art, mais nous on veut justement une petite carte juste là. Donc ça, on voit un Boumata, Medicica, Misdibule, Pomme d'Epic, Décollage de Cryptoman, Décryptoman pardon, mais bon, Edem, Énergie Brume, ici on a un Dauphin, ensuite toujours pas avec un petit Granipio, et derrière on a rien du tout avec un petit épine de fer. Ok, bah écoute, les épines de fer, tu iras les planter ailleurs. Tu iras planter des épines de fer ailleurs, hein. Moi je te le dis. Moi je te le dis, moi je te le dis. Hop. Ouais, il est quelle heure? Bientôt 19h quand je tourne ça, donc ouais. On fera rien d'autre hein, après en live, de toute façon. Genre, pour ceux qui veulent le gaming et tout, vous pouvez repartir, il n'y a pas de gaming aujourd'hui. Alors nous avons un Poichigeon. Oh tiens, il y a mon pote Nolan. Nous avons un Vivaldin, Caiminus, Granipio, Symbios, Pelage Sablé, nous avons Garde de Fer. Ah ben voilà! Voilà. Nous avons une petite carte high-tech. Donc carte high-tech, en vrai, ça drop pas tant que ça. Hein. En plus, c'est vraiment noté là, c'est que je suis débile. Vraiment. C'est vraiment.
Notez ça. Vous pouvez avoir qu'une carte high-tech dans votre deck. Je m'en fous, je joue pas au jeu de cartes. Mais du coup, ces cartes-là, ouais, elles peuvent drop qu'une seule fois en fait. Enfin, une chance. Enfin, non, pas une seule fois, mais en fait, elles peuvent drop une chance sur 20 en fait. T'as une chance sur 20 de les avoir. Coup de langue et farfadet du V. Ok. Bon. Les double hits, c'est possible dans cette série, mais pas souvent. Oui, parce qu'on peut avoir des double hits. Ou des triple hits même. Dans ce cas-là, ça s'appelle un God Pack quand on a des triple hits comme ça. Du coup, je vous dis. Hop. Alors, à l'endroit, c'est mieux le code. Voilà. Hop. Nous avons Meltan, Topico, Mediena, Torticousse, Bâton de Masse, Hurlequeue, Super Dauphin. Nous avons un petit Nicloche. Je suis pas sûr qu'on ait d'autres cartes high-tech parce que je vous dis. C'est une chance sur 20, donc à mon avis, là, sur 36 boosters, on va pas en avoir une troisième. Mais bon, peut-être une alternative ou quoi. Après, c'est une chance sur 86, les alternatives, apparemment. Mais peut-être une chance sur 32, je sais pas, j'ai vu un truc comme quoi c'était une chance sur 32, parce qu'on a vérifié en stream le taux d'ultra. Effectivement, les illustrations comme ça, ils disent que c'est une chance sur 80 à peu près. Donc, on peut très bien en avoir, mais ne pas en avoir, en fait. Donc, on verra. Parce que c'est une chance sur 80, apparemment. Pas 86, très exactement. Nous avons un petit tableau, je me rappelle, de 151. 151, j'aimerais bien en réouvrir, mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de restock ou quoi. Enfin, si, il y a eu du restock de bundle sur Amazon, mais bon, Amazon, grosse fraude hein, pour commander ses cartes Pokémon. Vraiment. Vraiment, c'est la plus grosse fraude parce qu'il y a tout le temps des colis à moitié ouverts, etc. ou qui sont mal emballés ou alors remplacés. Il y a que des merdes avec Amazon. Concernant les cartes Pokémon, donc vraiment grosse fraude pour acheter du Pokémon là-bas à Amazon. Et de toute façon, moi j'aime pas commander, donc ça risque pas. Mais ouais, ils ont ressorti du 151 là-bas. Enfin, les fameux bundles, donc les lots de 6 boosters. Mais bon, après, il y a peut-être un monde où ça va réapparaître en magasin. Enfin, ce que j'espère, parce que bon, ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Donc, nous avons un Ponyta, les boulets roux, nous avons un Rototop. Bondibou, dévouement de Bianca, Tangalis, mon conviction de Mortimer, super dauphin. Bon, ben, je crois qu'on. Ça y est, elle est là, la secrète. Donc, alors, on va dévoiler cette carte-là qui est Coraidon. Je vais faire le truc que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne vais pas. On va dévoiler la carte à la fin. Donc, du coup, là, on a vu, c'est super dauphin. Et du coup, voilà, ça, c'est la soi-disant secrète. Donc du coup, j'ai déjà la mettre en sleeve et on regardera quelle carte on a à la fin. Voilà, comme ça, je suis malin. Hein, ça laisse que ce soit YouTube ou Twitch et comme ça, ben, en fait, vous êtes obligé d'attendre la fin, etc. Donc voilà, on va la mettre là. Mais du coup, ça y est, elle est là la secrète parce qu'elle est venue à la place de la deuxième reverse. Les deuxièmes, quand il y a des cartes qui viennent à la place de la deuxième reverse, c'est les secrètes. Donc du coup, ça y est, elle est là. Elle est là la petite secrète. Enfin, la secrète ou les secrètes, ça se trouve, on peut en avoir une deuxième. Eh. Mais bon, par contre, la deuxième, je la dévoilerai. Hein, si on a une deuxième, hein, j'en sais rien. Mais si jamais il y en a une deuxième, je la dévoile direct. Hein. Et que celle-là que je cache. Parce que ça se trouve, c'est peut-être la seule secrète de la display. La carte qui vaut le coup, en gros. Donc, du coup, je la dévoile à la fin. Comme ça vous laisse le temps de regarder. Bon, YouTube, ils peuvent tricher. Ils peuvent aller à la fin de la vidéo et ils verront quoi. Twitch, vous pouvez pas tricher. Pardon, je suis en train de décéder. Nous avons un pomme de fer ici. Et on a un petit Dessalourdeau. Il nous reste combien de boosters du coup? Alors ça va, il nous en reste pas mal encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on approche de la fin de la display. Il nous reste 7 petits boosters à ouvrir. 7 boosters à ouvrir. Hop. Hop, 7 boosters à ouvrir. Je vais faire un peu le tri. Attendez, parce que je vois qu'il y a un peu trop de déchets de boosters qui arrivent là. Donc nous avons un petit skit. Il serait bien d'avoir une nouvelle ultra là par contre, un sécateur. Parce que là les ultras commencent à être un peu. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Hop. Pachimia. Ouais, une petite ex ou un truc comme ça. Ah bah il suffisait de demander. Ah non, c'est une reverse rare, je crois que c'était une full art. Ouais, bah là. Pendant un instant, j'avais cru voir double. Mais je vois vraiment double. Du coup, on a toujours la carte à dévoiler. On a toujours la fameuse secrète à dévoiler à la fin. Hein. Hop.
Hop, cette carte que je cache, c'est l'énergie, bien évidemment. Alors, du coup, ensuite, nous avons un excellent Balignon, Flamiaou, Rocabo et les câbles. Sinistrail, Caldeo. Ensuite, on a un petit télécable. Ah, ben bah voilà, là, par contre, c'est une illustration rare. On est d'accord. Oui. Oh, un petit Fantominus, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, mais ça fait très plaisir de l'avoir. Petit double hit. Ah non, pas de double hit. On a un petit Dragal, mais du coup, voilà, c'est la deuxième fois que je l'ai eu. Parce qu'en fait, je l'ai chopé, je crois, dans une ETB ou un tripack, je sais plus. Quand je les avais ouverts. De toute façon, c'est sur YouTube, hein, donc vous verrez où est-ce que vous l'avez. Mais du coup, deuxième petite illustration rare. Du coup, je crois qu'on a eu que deux illustrations rares comme ça. Hop. Prochain booster, c'est parti. Nous avons Shinchidou, Tibouret. Voilà, pile de cartes par contre que j'ai à côté de toutes les communes, etc. Genre, c'est une dinguerie. C'est la tour de piste presque le truc, hein, mais vous inquiétez pas. Nous avons Nightram. Ensuite, on a un Boscara. On a un truc derrière. Hey, je suis fort, hein. Je suis fort. On a un petit Torterra. Torterra X, magnifique. On dirait qu'il veut nous manger. Regardez ça. Il a sa bouche grande ouverte là. Ah. Ok, j'arrête. 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 Je sais même pas combien d'ultra on a eu. De toute façon, on fera le petit résumé à la fin. On va faire un petit résumé, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Prochain booster. En vrai, très très cool comme série, je trouve. Hein. Pas un très cool comme ça. De toute façon, j'en ouvrirai plus parce que, de toute façon, moi, comme à chaque fois quand j'avais ouvert les displays, ben, une fois que j'ai ouvert les ETB, les displays, ben, pour moi, on a fait le tour. Donc, j'attends la prochaine extension, quoi. Gringolem, Marill, Gripat, Levsor, nous avons un Sharpedo, Zeraora, nous avons un Pofin, Copain, Copain. Ok, c'est marrant comme nom. Kaiminus, ici, on a un Montracite ainsi que rien du tout. La caméra fait pas le focus parce que justement on n'a rien. Ça ne sert à rien parce que c'est un Relicant. Relicant. Il nous reste 3 boosters. Voilà pour ceux qui veulent savoir. 3 boosters et on en aura fini avec la display. Hop. C'est parti. Nous avons un petit Fantominius, un Pikachu. Spectrum. Meios, nous avons roue de fer, la caméra s'il te plaît. Et vraiment, heureusement, j'en fais plus beaucoup hein, des trucs sur Twitch, hein, des ouvertures Pokémon sur Twitch. Hein. J'ai cru que c'était encore une illustration rare, mais pas du tout. Ah, mais c'est la première reverse en fait. Je croyais que c'était la deuxième reverse. Shaymin, ici on a encore une fois un Alligator. Bon, c'est obligé, on a encore une ultra ou deux, je pense. Tu auras pas eu Bum cette fois, c'est pas grave. Pas grave. Parce que moi je campe pas donc bon. Plus vraiment, je sais pas pourquoi les gens disent que je campe alors que je ne campe absolument pas. Genre vraiment. Genre moi c'est parce que je suis trop rapide. Dans les premiers degrés. Je suis vraiment trop rapide. Donc bon après c'est parce que c'est parce qu'il y a, y a un certain monsieur qui commence par un P qui est rageux, c'est pour ça. Et non, c'est pas mon père. Parce que P, on aurait pu dire que c'est mon père, mais non, non, c'est pas rageux. Absolument pas. Moi je l'aime. Donc, nous avons un Métalos, une ex. Ah bah non, on a un Rugilune. On a un Rugilune. Et du coup, dernier booster, mesdames et messieurs, de cette display. Est-ce qu'on va avoir une carte de fou ou est-ce que c'est finito? Bon, à mon avis, on va avoir une dernière ex, ce serait cool. Ex. Sachant que, faut toujours dévoiler cette carte, qui est un peu la secrète, hein, je rappelle. Nous avons un petit Vagomine, Meltang, Kudlang. Crocodile, Fortress, nous avons un Shaymin, Golemastock, ici on n'a rien, Graiena, petit Mediena, et est-ce qu'on a une ex? Malheureusement non, on a un petit Volcaropode, aïe, ah, j'avais pas bougé l'énergie, et du coup comme vous voyez, juste là, la display vide, et du coup, quelle est donc cette carte? Est-ce qu'on s'est fait destroy complet, ou est-ce qu'on a une alternative? Attention, attention. Je crois que c'est la carte la plus rare de la série. Je crois. Plein de bonnes cartes, comme quand on regarde le petit résumé. Genre, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une full art déjà. 7, 2 full art du coup.
Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 3 foulards. On a 14 ultras. Donc j'espère, pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture de Terre Pokémon. Salut tout le monde!